Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous prends maintenant, on est déjà en début d'après-midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de Soleil aujourd'hui. Je vais le faire se défouler un peu. Et donc j'ai prévu une petite séance d'obstacles en liberté. Puisque voilà, ça fait un moment du coup qu'il n'a pas couru pour se défouler, et donc il en a besoin quand même, parce que Soleil c'est un poney très très calme, très posé, mais au bout d'un moment quand il a l'énergie qui commence à monter, après c'est une boule électrique, donc autant ne pas attendre ce moment là et le faire se défouler avant. Donc là on va se faire une petite séance en liberté dans le jardin juste là derrière, c'est la partie en herbe que je laisse pousser pour le printemps et l'automne. Donc on va se faire séance d'obstacles là bas et puis après on va voir si je ferai pas une petite séance de travail à pied avec Sango. On verra bien, mais en attendant, je vais déjà m'occuper de Soleil. On y va. Hey, 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 yeah. Hey, yeah. No me estás sonando más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás. Tú al lado mío, yo testigo. Bon, du coup je vous ai pas filmé l'intégralité du pansage dans ce vlog parce que c'est pas vraiment le but. En revanche, si jamais une routine avant, après séance, une routine pansage, ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait très très longtemps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo. Et en effet, je pourrais éventuellement faire un petit effort pour vous faire plaisir. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et il est vraiment en train d'essayer de me manger la poche alors qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a que des miettes de bonbons là-dedans. Qu'est-ce que tu fais, Tartuffe? Ça va pas bien la tête? Je vais lui mettre les guêtres et puis on va aller sautiller un peu. Somos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena. Ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres que brindas. Mami, bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy. Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. Alright, hermosa y con timidez me gusta. Y con esa sencillez que asusta. Sabes que no es que es con mi completa. De cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entono. Te subo el pitch y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Para esa reina necesito un trono. Effects, mami, yo te entono. Con esos besos, chica, me emociono. Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez. Sé que tú quieres conmigo. On a perdu Sango. Conocerte de raíz. Inicio. El futuro, bebé. Ya tú sabes. Bon, la séance d'obstacles en libre avec Soleil, c'est fini. Il s'est super bien comporté. Franchement, il a été génial, le poney. Genre, vraiment, j'ai été agréablement surprise, très très étonnée. Et j'ai fait 3 minutes de travail à pied avec Sango. Enfin même pas 3 minutes en fait. Je lui ai demandé un cabré, une jambette. J'ai vu qu'il avait pas oublié. Ok, très bien. On verra pour apprendre de nouveaux tours bientôt. Mais en fait aujourd'hui j'ai pas envie. Enfin moi il me faut vraiment que je sois dans un mood travail à pied. Si je suis pas dans le mood travail à pied, c'est très très compliqué. Et à mon papa qui vient nous rendre visite. Donc je vais vous laisser là, puisque je pense que s'il vient, c'est pour me parler. Donc à tout de suite. Mon papa est venu du coup pour vérifier si la baignoire n'avait pas fui pendant la nuit. Et la très bonne nouvelle, c'est que en effet elle n'avait pas fui. Donc ça y est, les poneys ont un nouvel abreuvoir tout beau, tout neuf. J'en ai profité du coup ensuite pour rentrer à la maison et vous faire la première du vlog d'hier sur YouTube. Donc la première, c'est quand je mets la vidéo en ligne quelques minutes avant qu'elle soit
officiellement publié, on va dire. Et donc vous regardez la vidéo avec moi en même temps. Enfin, genre, il y a un chat et du coup on peut parler et commenter la vidéo en même temps. Et après, bon, la vidéo elle est mise sur YouTube de manière tout à fait normale et vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Mais du coup j'ai fait ça aujourd'hui et j'ai trouvé ça chouette. Donc c'était sympathique. Et d'ailleurs on a passé les 1000 personnes en même temps à regarder la vidéo. Donc c'était trop trop bien, merci beaucoup. Et tout ça pour en venir au fait que quand j'ai montré la baignoire, il y en a qui m'ont dit que les poneys avaient une plus belle baignoire que eux dans leur maison. Et bah moi faut savoir que du coup je n'ai même plus de baignoire dans ma maison, puisque c'est les poneys qui l'ont récupéré et pour qu'on refait les salles de bain sans baignoire. Voilà, donc du coup bah je n'ai plus de bain. Je pense donc clairement que cet été je vais prendre mes bains dans l'abreuvoir de mes poneys, ça va être sympathique. Et vous me connaissez, c'est forcément une bêtise que je vais faire en vidéo. Donc là ça y est, le soleil, celui dans le ciel, est en train de partir. Donc je vais aller mettre des polaires aux poneys avec leur couverture 300 grammes par dessus, parce que cette nuit on va descendre dans des températures mais archi basses. Genre il va faire moins 2 jusqu'à moins 3 degrés à 5h du mat. Donc bah je vais les couvrir convenablement et comme il faut. Et ensuite pour les aider à affronter cette nuit froide, ils auront tous les deux un peu de compote de pommes. Donc Soleil, je vais lui mettre la compote de pommes dans une ration avec du son de blé, et Son Goku dans sa ration habituelle. Également je réponds à la question qu'on m'a posée plusieurs fois. Soleil n'a pas de ration de céréales, de betteraves, enfin bref il a pas de ration en plus de ses rations de foin. Pour la simple et bonne raison qu'il est très bien portant, qu'il est pas en carence, il a sa pierre de sel, il a son petit foin, il est bien. On va certainement faire des petites cures de compléments là au printemps, donc il aura quelque chose à grignoter pour faire passer les compléments. Mais pour le coup il est plutôt bien portant, il a pas vraiment besoin d'avoir des céréales en plus. On avisera quand on reprendra les concours et le vrai sport, peut-être qu'il va s'affiner un peu et qu'il aura besoin d'être complémenté. Pour le moment c'est pas le cas et ça sert du coup à rien de lui donner quelque chose dont il n'a pas besoin. Donc voilà pour le topo, et maintenant je vais aller leur mettre leur couette parce qu'ils commencent à faire frisquette. Me voilà rentrée à la maison. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller dîner avec l'ami. Et puis bah sur ce, je vais vous dire à demain pour un nouveau vlog. Vous êtes trop loin pour que je vous fasse la bise, donc bisous de loin. Et puis bah à demain, bye.